The principal aim of a musicianship is to maintain a perfect balance between the lack of chill in my fridge and the ablation of multiple members coming from little lovely animals. Moi, je pense. Je pense qu'il est important en fait de vraiment comprendre à travers d'autres musiques une dimension nihiliste pratiquante, quelque chose de vraiment profondément ancré dans l'absence de foi, croire en le hasard comme. Comme d'une finalité, une finalité inévitable à toutes sortes de choses, et finalement il n'y a finalement qu'à travers la vulgarisation du mal, du satanisme, ce genre de bêtises qu'on peut vraiment réussir à atteindre cette espèce de cohérence. Nihilique qu'on cherche à faire transparaître dans notre musique la violence No. Non, je suis pas vraiment sûr là. Moi je dirais que. Non, 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 pas du tout, là, pas du tout. Ce serait même. Plutôt l'inverse, même si. C'est une question qui mériterait un peu plus d'être développée, mais je pense que non. Là c'est non. Ferme ta gueule. My main influence comes from Chicago vaporwave scene, underground, and from the development of the roots, ginger roots. I also listen to Scorbut and Dick Lucifer at the age of 40. Ben moi, je dirais déjà dans un premier temps. Lionel Richie. Après, j'aime pas mal aussi le Queen du début, le Queen des premiers albums, avant l'intervention des claviers. Tout ce qui est mélodie un peu traditionnelle, les premiers albums, enfin la vague disco, un peu. C'est pas ce que j'écoute le plus, mais je suis vachement influencé par les ABBA, Bonnet, un peu les classiques comme ça. Je trouvais quelque chose de très intéressant. Ouais, sinon, pour revenir sur du plus ancien, il y a tout ce qui est évidemment le Chuck Berry, Elvis, tout ce qui est blues en fait en général, tout ce qui est mais très vieux blues vraiment du tout début, même avant que ce soit enregistré, avant les clochards. Ça je trouve ça très intéressant et j'aime beaucoup de cette influence blues qu'on peut retrouver.
Sometimes I dream of Marek Ed. If he sees some sort of trolls that continue to rape all these cheesy sweets. By his side stands a geranium man, cold, so cold, stand close from his nipples forever and ever. Moi, ce que je crains un peu avec la vitesse à laquelle s'est allé tout ça, le premier album avec Lubrification de Fortune qui a fait un succès pas du tout attendu, et maintenant Got Rape, j'ai peur qu'on tombe un peu dans une logique un peu trop commerciale, un peu trop people même, je voudrais dire, parce que déjà, on réclame des interviews, ce genre de choses, on a refusé énormément de contrats, de trucs à la con, tout ça, et nous c'est pas du tout, ça nous ressemble pas du tout, nous on voudrait vraiment rester le plus discret possible, et c'est aussi pour ça que les albums ont été produits en beaucoup plus petite quantité que la demande, parce qu'on voudrait vraiment que ça se répande le moins possible, hein. Évidemment, là, celui-là, il en reste encore à acheter quelques-uns. Faut quand même qu'on mange, mais voilà. On a un peu peur pour la suite, mais on reste assez optimiste. De toute façon, ce qui compte pour nous, c'est de rester nous-mêmes, de faire ce qu'on aime. Et voilà. Et on le fait pas pour notre public, on le fait pour nous. Look, you can put your question deep in my ass. I would like to paint all of our pants, accordions, vaginas, umbrellas, and for the most motivating, those who can expose air with their dick. Fuck off religion, disgusting shit politic. Go buy a car, revolution is my name. Va te faire enculer. Va carrément te faire enculer. Je te hais. Je te hais et tous les gens qui te ressemblent et tous les gens qui regardent cette interview, je vous hais. Putain de tous. Il n'y en a pas un seul de vous que j'aime. Il n'y en a pas un seul de vous que je respecte. Je vous hais et... Merde.